dirait pas, mais ça va étrangement loin. Mm-hmm. Packer, pareil, pas dégueu. Ça touche assez bas, pareil pour le nerf, etc. Donc là, c'est Hitbox là qui vont venir mettre un peu de pression quand même. C'est pas quand t'as un peu qui te court dessus, t'es jamais bien. Et c'est là où Mesco il est plus fort, c'est que une fois qu'il a réussi à mettre un peu des coups et qu'il arrive à avoir ce déplacement là, le gars face à trop peur, et c'est là où il capitalise de ouf avec des grands smash. Et on est parti direct sur Kalos. Sur Kalos, et on va voir un peu comment ça se passe. On a décidé de sortir le puff du côté de Jhin. Donc, bah voilà, des gros combos, plus facilité, plus de facilité à trouver les ouvertures. Mais pas sûr que ce soit super rentable, même si on a quand même posé la fleur et qu'on va potentiellement prendre la stock là-dessus. Non, faut pas se faire arracher quand même bêtement sur un EP. Bah juste de Rico en fait. Ouais mais tiens en même temps t'as vraiment envie d'aller ledge guard là ce gros pterodactyl. Packer là. C'est terrible pour Jhin. Et t'as tout le temps envie d'aller ledge guard si tu dis ouais c'est simple, ça va tout droit, je peux lui mettre un fer. Et tu te retrouves toujours à te retrouver dans sa hitbox avec toi tu vois rien du tout. Et là encore une fois tu prends 20% ce que là-dessus, ça va en garde le stage en vrai. Donc c'est ok. Mais là c'est 47, Packer aussi, quelque chose. On va chercher un nerf, on va chercher l'edge guard, bien joué de la part de Jhin, mais malheureusement on n'arrive pas à trouver la stock. Encore une fois, on va le repousser avec Packer, on va le repousser avec nerf, et cette fois-ci c'est Mescol qui arrive peut-être à trouver le meilleur. Non, on va se faire avoir sur du coup un fer un peu trop présomptueux pour le joueur du pterodactyl. Bon, comment est-ce qu'on ouvre? Pour l'instant c'est neutral, bien joué le pound d'ici du côté de Jhin, on continue à pousser, mais malheureusement on se fait reverse et là ça fait très très mal, et en plus on peut aller exploser très très vite. Faut faire attention. Un petit peu, on arrive à reverse, on trouve un der, backer, le fer de Mescol qui vient de tester celui de Jhin et qui récupère le meilleur là-dessus, et on échange des positions, et là on trouve un bon crab, F-Stro, on va mettre dehors, c'est compliqué pour Jhin 100%, on peut mourir à tout moment d'un petit type d'un petit side B au ledge, non pas encore. J'ai l'impression qu'on survit, oui, tout à fait. C'est compliqué pour Jhin là, on va pas tarder à mourir, je pense. Ouais, ça fait peur, mais il a bien réussi à esquiver ce side B, il faut aller tuer, voilà, sur ledge guard peut-être, avec la tactique derrière, malheureusement ça ne passera pas, on va rester patient, et malheureusement ce backer va se faire grab, pousser offstage avec la back throw, et on va repasser sur une phase de ledge trap où Mescol excelle, et il met ses petites boules de feu, et il arrive à trouver la bonne distance pour mettre son F-Tilt pour pouvoir tuer ce rondoudou qui fait tellement peur, 113%, par contre faut aller trouver, voilà le kill, très bien joué, non! C'est pas fini, il le remonte en plus, c'est terrible. On n'a pas la tentative, je suppose, de mistake plus qu'on a du backer, mais bon, c'est bon, on arrive à trouver celui-là. C'est toujours pas fini. Mescol qui arrive à survivre avec des pourcentages très très hauts. Kalos qui aide vraiment, mais la nerf, on va réussir à prendre le meilleur, on va réussir à prendre la stock, on va réussir à avancer dans cette game. Par contre, Jhin, faut pas se prendre le gros combo derrière. La phase d'avantage qui fait peur du Ridley, voilà, le grab s'est trouvé avec le fer derrière, on va pouvoir pousser. On est déjà à 50%. On commence à avoir peur, on tente des ouvertures, mais malheureusement, on se fait encore une fois repousser. Faut pas paniquer là face à Ridley en désavantage parce que t'as pas envie de faire un rush de stock à 70%, mais bon, 92, on est déjà en danger, on tente de trouver des choses contre Mescol, on trouve un petit tilt. Attention à ça, ouais, on se mâche contre des backers, on peut... Oh. C'est bon, le pan qui a été trouvé, le side B ça tuera pas encore normalement. Prochaine interaction, ça devrait le faire normalement pour Mescol. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose sur ce ledge? Sera peut-être F-Tilt, mais toujours pas de kill. On reste en vie du côté de Jhin et c'est toujours possible de trouver quelque chose. Un landing fair, un pound peut-être, quelque chose, 24%. On arrive à trouver le landing fair, le nerf. Non, on n'arrive pas à récupérer la stock et ça paraît chaud, ça paraît très dur. Mais Skull qui arrive à trouver son nerf out of shield, qui va pousser offstage, qui va peut-être récupérer la stock. Mais Jhin qui est toujours en vie, qui continue à s'accrocher, qui continue à trouver les ouvertures et qui continue à survivre surtout. Ça fait peur, mais on reste en vie du côté de Jhin. On reste en vie et 68% du côté de ce Ridley. Un ref pourrait réellement prendre la stock. Est-ce qu'il va réussir à le carjack? Non, oui, si, le si, nerf si. Qui va tuer. Si. Incroyable. À 70 cru. Ouais, moi j'ai cru que c'était le up et qui avait trade avec un truc de buff et que du coup il était mort là-dessus. Pas du tout, le nerf qui vient prendre la stock à 70% en fait. Ouais, j'ai pas trop compris, mais ouais, bien joué là, on est juste allé. Extend directement tout au bout de la map pour aller choper un nerf qui ne semble pas très fort, très effrayant, mais qui quand touche à cette distance là de la blast zone, bah ça te tue en fait, ça t'envoie quoi. Plus full rage. Ouais, plus full rage. Oui, il a survécu à 160 hein. 165 avec Rondoudou, finalement, peut-être que Kalos, je sais pas, c'était le choix de qui. Ouais. Mais en tout cas, on dirait que ça va pas suffisamment longtemps pour pouvoir faire ces trucs à lui.
En effet, du coup, ça va prendre la première game du côté de Jin. C'est une surprise et on va voir au niveau de la deuxième game PS2 comment est-ce que ça va se passer. On est directement reparti. On va voir un peu les agressions, hein, notamment de Jin, voilà, pour aller essayer d'ouvrir et retrouver un gros combo. Malheureusement, pas plus que 43, alors qu'on sait que Rondoudou peut aller trouver, voilà, des grandes phases, des grandes stocks. On l'a vu, première game. On a retenté de les pierres de pound, on n'a rien trouvé, on se prend FTL là du côté de. Il reste un saut. C'est complètement reverse. Attention, double pair, c'est bien esquivé. On va drift away, on va grab le ledge tranquillement. Ouh. Le F-Smash hein, qui aurait totalement pu clore cette stock, mais la bénédiction lyonnaise du côté de Jin qui vient du coup lui apporter la protection de la DSL. Yeah, pas du tout. Pas du tout, ce back air était très bien vu, était bien senti. Bon, c'était pas sweet spot, donc ça ne tuera pas. On tente F-Tilt, F-Tilt, F-Tilt encore une fois. On est bien placé du côté de Mescol, on continue de mettre énormément de pression. Et on va pas s'emparer de la stock. Par contre, on a réussi à bien se faufiler du côté de Jin ici. On se place tranquillement, on va aller tenter les gardes. Et le back air qui est passé tranquillement, on prend la stock. On est en avance et malheureusement ça va quand même se faire reverse, ça va quand même se faire cardjack là-dessus. Ce back air est bien vu et on va avoir... petite, bah du coup une remise à zéro complètement. Ouais, remise à zéro entre les deux joueurs et là pour le moment les situations de air-to-air qui se passent un peu mieux pour Mescol que pour Jin. Il arrive vraiment à mettre ses coups à lui, il paraît, avec ce putain cancel. Le ledge, on est un peu dans le caca du côté. Aïe 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 aïe, Jin, attention, faut pas avoir peur là. Ok, c'est bien trouvé ça, par contre ce pound, on va trouver le combo derrière, malheureusement le fer ne sera pas de sera de trop, on va pas réussir à trouver, on a esquivé sa IP, on va pouvoir le punir tranquillement, et malheureusement on a été trop présomptueux sur cette edge guard, le AP va récupérer le meilleur, et du coup Mescol a un peu d'avance, peut potentiellement essayer de snowball, on a quand même un bon jab, mais la dash attack ne sera pas bonne ici, il va peut-être permettre à Mescol de implanter un peu plus, encore plus le clou. B pour remonter tranquille, get up attack c'est bien vu, c'est bien senti ici, Mescol qui ne fait pas trop de commits. Ouais, encore une fois, jab jab, j'ai l'impression que ça cherche une tech chase, mais on va pas l'avoir avec ce jab jab. Et on a rien derrière, très bon trade, on vient quand même prendre un peu de pourcent pour avoir cette stock du côté de Jin. Et on l'a déjà fait. 83 et 83, mais c'est dangereux. C'est dangereux, mais on l'a déjà fait, j'y crois, du côté de Jin, voilà, avec un down air, avec un upkill. Et derrière, le combo, malheureusement, qui va arrêter, qui va disconnect sur cette fin de combo. Side B, malheureusement, c'est vu, du coup, ça va être puni. Très bien fait de la part de Ridley, ouais, qui va être à 2% de tuer Upper, ça tue, faire, ça peut potentiellement tuer. On est sur un ledge trap F-Til, bien sûr, ça sera. Oh non! Alors peut-être, on a tenté quelque chose, on n'a pas voulu trop commit du côté de Jin. On arrive à avoir très bon pari là du côté du joueur de Puff. On est pas se faire, cela dit, on arrive à retoucher le centre du stage avec une bonne air dodge. On va le faire. On va le faire. Est-ce qu'il y va? Le Upper, bien sûr, qui vient trade avec le nerf et on récupère la stock comme ça du côté de Mescol. Pourquoi s'embêter à ce qu'on a dit? Peut-être on peut tout simplement tuer la boule rose. Oh là là, il a eu tellement raison en fait. Il a juste eu raison sur cette interaction de mettre son upper et d'aller récupérer la stock. Parce que ça faisait peur. On l'a déjà vu en plus, game dernière, récupérer un énorme avantage sur 2-3 phases avec Rondoudou sur la last stock. Ça fait tellement peur et on a été patient. On a su quand est-ce qu'il fallait taper. On a décidé d'appuyer et on a appuyé là où ça faisait mal du côté de Mescol. 1-1 du coup. Ouais, c'était close. Hein. C'était archi close. Le comeback était totalement faisable. Bien sûr. C'est dur à faire, mais il était faisable. Ouais. Malheureusement, heureusement pour Mescol en tout cas, ce père qui vient sauver la mise off stage dans une situation qui aurait pu être beaucoup plus compliquée. Ouais. Peut-être, peut-être un peu un grid avec ce nerf. Peut-être, ouais. Peut-être aller chercher un back air. Une phase d'avantage un peu trop ambitieuse et on se fait plus mal là-dessus. En même temps, c'est sur ça qu'il est très fort ces temps-ci. Hein. Ouais, et c'est sur ça que t'as envie d'appuyer dans ce genre de moment aussi. C'est le moment où le gars peut se relâcher parce qu'il y a le stress, parce que c'est la stop, parce que, ok, j'ai encore de l'avance, machin, je sais pas quoi. Enfin, tout peut s'envisager dans cette situation. Et on est parti du coup directement game 3. On est parti sur Town and City et du coup, bah, map avec des blast zones beaucoup plus proches sur les côtés. On va. Voir bah, je comprends pas trop, peut-être que Jin essaye de trouver des façons d'edge guard plus puissantes qui peuvent pouvoir prendre des stocks plus rapidement, mais c'est pas vraiment le souci de tuer là du côté de Jin, c'est plus d'empêcher Mescol de trouver des grosses phases et d'aller potentiellement le tuer quoi. Ah, en même temps, si tu le tues plus tôt qu'il a pas le temps de tuer, ça se tient. Non, pas du tout. Ça se tient pas mais, vraiment là. Tu es sur le côté en edge guard avec Puff, ça me semble pas forcément une mauvaise idée. Ouais, là, on va venir se faire punir
Une remontée sur le stage, drop sous au cœur. Le cross-up qui était de trop. On allait trouver peut-être un combo et l'edge guard malheureusement qui n'est pas trouvé. Par contre, on a un bon pound. Quand même reverse hein, du côté de Mescol. On est patient sur ce ledge, on reste tranquille, mais on va se faire avoir sur ce combo. Voilà. Ça, par contre, ça met tellement bien. Mais c'est pour ça, Tonen City, en fait, c'est vraiment pour avoir ce Werner là à la fin. Qui va venir, tu sais, tu es à 80, mais on s'en fout qu'il est mort. Ouais. Donc, plutôt bonne map, par contre, je pense qu'elle peut être poussée à double tranchant. Ça... C'est bien vu ça. Ok, d'accord. On a vu les... s'arrête. Parce que là, la plateforme, cette plateforme-là, elle va être très importante. Elle peut être très importante, mais on va bien réussir à l'esquiver. On va rester très très low du côté de Jean. On n'a pas envie de mourir sur cette stock bizarrement. 85% par contre, Upper, ça ne va pas tuer. On va rester en vie. Et par contre, c'est toujours la même rengaine. C'est toujours le côté difficile. Mais on arrive à grab. Malheureusement, le match qui était de trop, du coup, ça va faire erreur de Jean. Et on n'arrive pas à retrouver le sol. On n'arrive pas à redescendre. On n'arrive pas à reprendre le terrain. C'est difficile. On se fait complètement avoir par le Pterodactyl qui est très bien placé. Jab, jab. Le set play qui était très bien vu mais qui est respecté par Mescol et qui a été vu par Mescol, pas de dinguerie, mais Jin qui arrive quand même à placer des petits coups. On va tenter l'edge guard, non, on se met bien loin mais cette fois un peu trop du coup. On va retenter quelque chose et le nerf en reverse, encore une fois, intelligence de jeu de Mescol, ouais. De pas se laisser faire au stage et de tirer le meilleur d'une situation qui est très mauvaise sur le papier. Clairement. Clairement, mais par contre Jean il va réussir à trouver ce back air, ça va pas tuer malgré Town and City, on n'est toujours pas à pourcentage ou c'est bon. Deux tops de suite. Ensuite le back air. Oh, Mescol qui est archi chaud là sur ses techs, mais Jean qui est tout aussi chaud sur ses réactions. C'est ça, mais on a une stock partout et ça peut aller dans les deux sens, on connaît Jean et ses combos, la méta de Puff. Jigglypuff méta, ok, bien joué, ça a été trouvé, mais malheureusement ça va demander quand même plus d'efforts du côté de Jean. Mescol qui est bien placé, qui va tranquillement se remplacer avec des petits F-Tilts. Par contre ça c'est terrible, on n'arrive pas à voir la situation. Jean qui arrive à trouver ça, c'est magnifique. On a pas... Alors peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, il fast edge guard de fou. Ça joue pas sur le stage dans ce match-up, ça se joue juste dehors et là, on retrouve un terre, on retrouve un fer. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'autre? On n'est pas loin. On aurait pu finir la roll tellement plus dur, mais c'est pas grave, on arrive juste à avoir une throw. Ok, le dernier. Ah, c'est dur. Qui vient prendre la stock, c'est n'importe quoi. Pourquoi le dernier l'a pas connecté? Bah frère, j'ai l'impression que c'est la deuxième fois que le dernier connecte pas, frère. Ridley fait 35 mètres de Et genre ouais. Juste le der, il a fait oh et non. Non, moi je t'ai pas là, juste là. Ouais. C'est quoi ça? Bah c'est rondoudou frère, t'as vu ces knacky à la place des pieds frère. C'est grosse knacky. Non vraiment c'est difficile, on a vraiment pas la range, on a vraiment pas... Spécialiste de la saucisse match du mercredi à Meltdown. Bien sûr. À Lyon. Allez directement pour peut-être cette game 4 et directement la balle de match pour Mescol, on repart sur Town and City, on a envie de retrouver ses cardjacks peut-être sur des stocks peut-être plus rapides sur de l'edge guard, jab bien fait hein, de la part de Jean, il arrive à trouver des bons jabs, malheureusement peut-être pas la suite quand même, et ça fait mal. On a tenté le trump, on a rien et on se fait reverse à la place, c'est un peu triste. Mm-hmm. Ok, on arrive à trouver petit grab, petite axe trop. Mescol qui réinitialise la position, qui prend le centre, qui va s'abriter sous la plateforme. Ok, la bonne joué. Bonne on va essayer d'edge guard. Un peu trop. Ouais. Mais là on va trouver le nerf et c'est quand même une situation plutôt bonne pour Jean. Derrière on n'aura pas le kill malheureusement. Même si on avait vu cette air dodge, on n'est pas assez fast faller. Bonne roll, on n'arrive pas quand même à récupérer le grab. Mais Jean essaye toujours de tourner autour de ce replay. Et on voit la capacité de Mescol à tout esquiver. C'est quand même assez impressionnant pour la taille de son personnage. Down air quand même, il touchera. On va trouver l'edge guard peut-être. Side B bien sûr, avec du coup la tech qui ne sera pas prise pour Mescol. Premier mistake, je crois, de Mescol. Down throw, back air, il est mort à 61 après la down throw, frérot. Frère, mais arrête. Jean, il lui a fait un taf monstrueux, il lui a fait un boulot de malade. Ouais. Et pendant tout nanana. Et lui, il est arrivé juste au ledge avant tu shield. Et bah hop. Allez hop, la petite grab, le petit kill qui va bien. Mais on a quand même assez avancé dans la game ici, on est stock 2 et on va trouver la tech chase avec dash attack, on va essayer de repousser, on a envie d'avoir cette situation d'edge guard mais malheureusement le dernier on va pas trouver. Merci ici là-dessus. Oh, c'est un grab. Ouais, what the fuck. Normalement ça aurait dû Jin qui a lancé le sien un petit peu plus tôt, je pense que c'était pas encore un petit peu en escope. Peu importe quoi qu'il en soit. Oh, le side B qui est bien esquivé et ok le reverse fair.
Sonner, là je m'y attendais pas. Alors ça me fait trop penser au F Smash Down Smash de Wolf là. Genre tu cours, t'inquiète, tu connais pas. Il va juste rentrer dedans et ça a fonctionné pour Jin. Ouais, pour moi le reverse faire là c'est plus un rare raté. Mais alors, ok d'accord, c'est bon. C'est plus un rare raté, mais écoute, c'est peut-être comment profiter d'un Missy Foot. Voilà, on sait pas, et pour l'instant, il est pas en train de nous faire une masterclass le petit pote. Il est en train de nous donner un cours. Il est tranquillement sur son ledge, il arrive à trouver Downer Backer. Et ça ne tuera pas quand même. On est en vie. Dash attaque quand même. Ouais, et le mais là, ouais, si, si, si. Ouais, là, c'est trop loin là. Allez, c'est bon, merci. Allez. Game 5. Ah, oh, il nous a fait un peu. Il nous a fait peur. Bah, après, il avait encore ses deux stocks, mais c'est mes schools. Enfin, c'est mes schools, si tu sais jamais, frère, tu sais jamais. Il arrive à trouver un side B offstage, ça lui fait un bon saut de fou. Après, il arrive à remonter. Bref, on ne sait pas. 2-2 dans cette winner finale, les gars, c'est serré de fou. C'est serré de fou, et peut-être qu'on va avoir droit à. Un joueur assura en grande finale, moi j'aimerais bien. Mais wesh! Grande finale winner! C'est ça qui ferait plaisir. Oui, bah oui, bien ouais. sûr. Parce qu'en grande finale, encore, il peut encore remonter la loser si jamais il perd contre Mescol aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas encore fait. Mescol sur tranquillement sa cinquième game face à Jin. Va falloir rien lâcher, comme ce très cher Nico nous vient de le dire. Absolument, absolument. Faut rien lâcher, c'est pas fini. C'est même le moment, c'est la game la plus importante de ce BO. C'est la seule Totalement. Qui compte. Si on doit en revenir qu'une seule, ça va être la cinquième. Parce que peu importe qui a gagné les 4 précédentes, c'est celui qui gagne celle-là qui continue à win. En effet. Et c'est pour ça qu'on prend son temps, c'est pour ça qu'on réfléchit, c'est pour ça qu'on se pose du côté de Jin. On n'a pas envie, pas du tout. En fait, il a appuyé sur son bouton et il est parti sur cette game 5. Il est concentré, le bon joueur de Jigglypuff, Jin Lyonnais, ici contre Mesco, le Parisien. Tellement chaud avec son Ridley, tellement intelligent. Pour l'instant, ça se regarde et on est parti sur PS2. Ouais, PS2, on est de retour sur le map très joué, on va dire. Que très classique, et on trouve déjà une bonne phase du côté de Jin. On trouve cette mistake pour Jin. On arrive à avoir ce backer, ça ne prend pas encore la stock. On oh là 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 là, la phase, la première stock du côté de Jin, 0-2-death, magnifique. On est clairement dans son game, on est clairement dans son jeu. La méta de Jigglypuff est clairement en train de jouer ici. On a quand même un Mesgol en face, mais on est en train de lui faire le boulot. On est en train de lui faire là. Il était en train de l'emmener en balade, mais finalement Mesgol qui a dit non non non, laisse-moi revenir, et c'en est assez. Ouais. Et là on respecte très bien ce nerf en descente, en désavantage, on retrouve un super pour mettre au ledge. On va trouver un side B du côté de Mesgol, bien mâché du côté de Jin par contre. C'est pas fini. Pas shield. Ouais, c'est pas fini clairement. La bénédiction lyonnaise du côté de Jin peut-être. Non, F-Tilt ça sera trouvé de la part de Mesgol. On va rester tranquillement passé sur ce ledge trap. Malheureusement le F-Smash va pas trop ça. On va avoir très très mal là-dessus. C'est deux stocks d'avance pour Jin. C'est deux stocks d'avance. Ça semble Stock. Très compliqué pour le joueur de Ridley, et en tout cas ça s'annonce très bien pour le joueur d'Asua. Pour Jin, le joueur de Puff, on vient prendre quand même un backer, mais on a une stock entière d'avance. Stock entière. Resserre le jeu. Pour resserrer le jeu, mais Mescol maintenant il va falloir qu'il trouve quelque chose de très très beau s'il a envie de remonter cette game. Et j'ai l'impression qu'il a pas envie de la lâcher non plus. Il est placé. Downtilt, bien joué avec ce nerf. Alors, top shield, on va réussir à mettre de la pression sur Slash Trap. Bien joué Downtilt. On va continuer à pousser ici. Jin qui n'arrive pas à trouver les solutions, qui est en train de se faire remonter de fou sur cette phase. On a quasiment un 0-2-death du côté de Mescol. On est en train de se placer tranquillement. Bien joué ce grab. Et le backer qui va peut-être placer. Non, tranquillement. On va rester en patience. On va rester en contrôle. Et le backer, il est trouvé du coup. 0-2-death. Attends. Il l'emmène à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Et on a gratté les pourcents du côté de Jin. On a tenté les guards, mais on a raté une fois de plus. Heureusement, on prendra pas le upswash sur la plateforme. Oh là là. Il faut retrouver, oui, une phase des guards. C'est pas peut-être. Fini. C'est presque fait de ça. Ok, le Wickner qui va remettre Mescol dehors. On va venir gratter un petit upper du côté de Mescol. On gratte les pourcents, c'est bien ce qu'il fait. Okay. Attention à ce drop fair. Okay. Le down tilt. Attention parce que Ridley ça fait peur dans ces moments-là. Oh, 155%, on est quasiment à full rage. Tranquillement pour le Ridley, on va quand même se prendre une down throw. On va devoir essayer de retrouver le centre du terrain, mais c'est le neutral vert qui va en récupérer la situation. Backer peut-être, on se place tranquillement, on essaye de bait, on essaye de trouver quelque chose. Rollin, mais on est resté en vie du côté de Jin. Non, Jin Rollin de c'est fou. Terrible. Non, j'ai extrêmement peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur.
La puff méta, toujours en vie, mais on est face à Mezgol Full Rage. Mezgol tellement placé, tellement fort. Comment ça touche? Comment ça touche? Sakurai! Sakurai! Oh, rends-nous notre joueur lyonnais, il fait nom de la tête, mais il a tellement bien joué! Il a tellement bien joué, Jean, c'est terrible de perdre là-dessus! Après, 5 games tellement dures, tellement close, tellement bonnes! On a le Ridley Mezgol qui l'emporte et qui va attendre son adversaire en grande finale. Winner! Waouh!